Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview en direct du showroom intergalactique. Je suis avec the one and only Yannick Robert, Winter is definitely coming, on commence à se cahier grave. Comment est-ce que ça va? T'as survécu déjà? Bien, j'ai survécu, ouais. Fait froid, je confirme, hein, mais c'est très bien. D'accord. Très bien d'être là. Bon. je commence toujours avec cette première question. Yannick, quelle était ta première guitare? Ma première guitare électrique? Guitare toute catégorie. Alors, c'était une première toute catégorie, c'est une classique. Ouais. Une classique dont j'ai oublié la marque complètement. D'accord. Et la première électrique, comme j'ai commencé à jouer au doigt très tôt, c'était une Yamaha, je me souviens, qui ressemblait de loin à une Les Paul. D'accord. Ouais, de loin, mais vraiment de loin. Ça a été quoi le riff initiatique pour toi qui a fait que la lumière s'est allumée au-dessus de toi? Tu sais que tu t'es dit, ah, c'est ça le métier que je veux faire. Ça a été quoi ton smoke on the water? Mon Smoke on the Water, je crois que ça a été Genesis, je pense. Ah ouais, il y a très longtemps, il me semble bien, ouais. Un mélange de Genesis, de Yes, de toute cette époque de progressive rock à partir duquel j'ai commencé vraiment à écouter de la musique et après ça a dérivé sur le jazz. D'accord. Et un jour, j'ai entendu Pat Metheny, c'est peut-être lui en fait le gars déclencheur, vraiment. Okay. Je me souviens d'une émission quand j'étais étudiant. J'ai failli mal tourner, hein. J'ai failli être prof d'anglais moi, donc j'ai failli très mal tourner. Et quand j'étais étudiant, donc il y avait une émission de radio le soir, je me souviens, et j'ai entendu un gars jouer de la guitare comme ça, avec un phrasé très fluide, que j'avais jamais entendu avant. Et le type, c'était Bernard Lenoir, je me souviens, sur France Inter, qui a dit, voilà, un jeune guitariste, on va sûrement entendre parler dans les années à venir, qui s'appelle Pat Metheny. D'accord. J'ai dit, lui, je vais les suivre de près. D'accord. Le riff de Pat Metheny, tu es capable de jouer comme ça à froid, ton riff Île déserte, c'est quoi? Ah, t'attendais pas à celle-là, hein? Si, ouais. Vous souhaitez regarder l'intégralité de cette vidéo? Rendez-vous sur lachaineguitare.com pour profiter d'un abonnement d'un mois offert.